Les gens, ils semblent oublier que c'est un patrimoine qui leur appartient. Faut pas démissionner puis laisser tomber toutes nos richesses. Non, s'il n'y a rien qui se passe là, qu'elle démolisse, là, c'est aussi simple que ça. C'est les mêmes portes qu'on voit dans les centres d'achat. Si tu démolis l'intérieur de ton église, ben c'est ton patrimoine, tu viens de le briser. On ferme le rideau. À ce moment-là, on sépare vraiment la salle multifonctionnelle avec le lieu de culte. Oui, c'est comme, je suis comme dans la chanson. « Ne touchez pas à cette église, laissez-la finir ses dieux. Hein. » Elle n'en a plus pour bien longtemps. Cette pauvre aïeule, un jour toute seule, tombera comme un oiseau blessé par le temps déjà presque effacé. C'est le fun de voir que cette âme-là de l'Église peut se transférer aussi dans notre monde d'aujourd'hui.